Eh bien, aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le jeu Super Mario Odyssey sur la Nintendo Switch. C'est parti. Donc, on va faire une nouvelle partie. Comme ça. Au-dessus du château de Peach. Je vais épouser Peach. Tu es jaloux, Mario? Donc ça c'est pour voir comment est l'écran. B c'est pour sauter. L c'est pour courir, regarder en alentour le R. Et B c'est pour sauter. Aussi pris à l'autre patelin. Il a enlevé ma petite sœur. Ma Colette n'a fait ni une ni deux. Je me suis ruée vers un vaisseau pour poursuivre cette brute de monstre. Mais il n'y a en A+, un seul en état de voler. Cela dit, il doit bien rester un vieux rafiote encore utilisable dans le pays voisin. Je pourrais m'y rendre depuis le sommet de cette tour, mais les acolytes du monstre ne me laisseront pas passer. Dis-moi, on est dans la même galère, toi et moi, non? Ensemble, je suis sûre qu'on arrivera à sauver nos deux demoiselles. Capi, maintenant votre coup.
Okay, c'est ça.
monstres. Ils sont quatre et c'est des lapins. Si, si, si. Le patron avait raison quand il disait qu'un moustacheux à casquette viendrait se mettre dans nos pattes. Quelle question. Incline-toi devant les maîtres de la NOC, ordonnateur du fastuo mariage. Découvre-toi devant les grands boudas. Maintenant qu'on a notre trésor, on n'a plus rien à faire ici, à part une petite formule. Te faire avaler ta casquette Minus, viens donc voir par ici. Les broudages, en fait, c'est eux, les lapins. Stupide. Ok. Et maintenant, on va y aller dans le pays voisin, comme il a dit Capi. C'est parti. Super Mario attiré. Je dis. La champimorphose sur une ligne électrique, ça retourne. Il devrait y avoir un vieux vaisseau dans les parages. Partons à sa recherche. Ok, j'ai fait dire. Et tout ça, c'est le pays des chutes. Ici, voilà, pays des chutes. On peut voir un peu ici. Ici, c'est le territoire des robots. Il t'explique un peu sur le pays des chutes. Voilà. Et ici, de l'autre côté, voilà. Ici, ils nous disent position actuelle, drapeau relais, objectif. Dis pas tout. Objectif et boutique. Donc là où il y a écrit le M, c'est là où je suis. Des pièces, peut-être. Nul. J'ai trouvé des pièces violettes. Bon, bah, c'est parti. Oula. Je me demande pourquoi ils ont mis des lunes et pas des étoiles. Parce que normalement dans Mario il y a des étoiles. Mario Odyssey. Multilune en haut de la. Huh?
c'est pas la lune, il faut pas rêver, mais on peut alimenter en énergie toutes sortes de trucs avec ces petites choses. Le Mario est un peu truc. Ça ne démarre pas, on doit manquer d'énergie. Il y a peut-être des lunes de puissance à grappiller dans le coin. Bon bah, il nous faut 4 lunes de puissance. Donc on y va pour chercher les lunes de puissance. J'ai pas besoin d'une vie, mais je veux la prendre quand même. On sait jamais. Ah, ça donne des pièces en fait. J'en suis sûre qu'ici, là, sur ces pierres, quand même, il devrait avoir quelque chose. Oui, il y a ces pièces violettes. On sait pas encore à quoi ça sert, mais on va voir. Ici aussi, je pense que ces pierres-là, il va nous emmener quelque part. Et oui, il va nous emmener. On va voir. En fait, il était là, le T-Rex. Mazette, c'est quoi ce monstre? Je pense qu'il faut rentrer dans sa vie, en fait. Mais c'est trop cool, je suis rentrée dans la vie du T-Rex. Alors là, vraiment, trop bien. Cool. En fait, moi, j'adore. C'est trop bien, voilà, j'aime bien. Oula, il a sauté hyper haut. Ok, donc on va essayer de tout casser un peu. Alors, voilà, j'ai trouvé déjà une lune, on va la prendre après. On va y aller un peu là-bas pour voir à qui c'est là. Ok, je suis là. Ok. On va y aller là-bas pour détruire ce loup. Ce mur. Donc en fait là je pense qu'il faudra qu'on y va à l'intérieur. Ce sera comme un ancien Mario. J'aime bien quand je joue avec les anciens Mario, quoi, c'est bien. J'adore. C'est bien. Donc maintenant on va y aller reprendre la lune. On va sortir un peu du T-Rex. Et on va prendre la lune comme ça. Ok. Ok, ça y est. Pew, il est trop gros, impossible de tenir son poids. Donc maintenant, on retourne dans là où il y avait l'ancien Mario pour qu'on joue avec l'ancien Mario. On va y aller voir ici, là, qu'est-ce qu'il a. C'est encore pour prendre des pièces. Là, je me dois bien. Il a 6 vies, encore une vie, alors que j'en ai même pas besoin. Ici, on va voir les fleurs que ça sert. C'est un bon pour une vie, mais moi, j'en ai pas besoin des vies. Il ne comprend pas. C'est fou ça. Là, on va y aller dans l'ancien Mario. On va chercher quand même un peu pour. Il y a encore ces pièces violettes ici. Il y a encore des pièces violettes. Je sens tout. Ok, je pense qu'il y en a des pièces violettes. On peut y aller dans l'ancien Mario. C'est parti, je suis dans l'ancien Mario. On est tout écrasé, les dedans et tout en anguleux aussi.
dit qu'il n'y a que ça. Parce que, voilà, sûrement il y aurait des pièces cachées parce que ils ont pas mis ça que pour rien. Ici, il y avait une lune. Voilà. Je me demande quand même s'il y a une boutique. On va y aller voir dans la carte. Ah, ici, il y a écrit boutique. Donc, quelque part, il doit avoir une boutique. Ils ne le montrent pas dans la carte. Bon, c'est pas grave. Elle est partie promener son petit chien, bien sûr, très petit chien. Très petit le chien, il dérange pas. Super, ici à une vie, comme ça on peut faire une vie. Ok. Oh non, mais je perds tout le temps les vies. Mais sa face. C'est vrai qu'elle est un peu grande pour une lapine, hein. Mais c'est comme ça le jeu, quoi. Alors, il me manque encore deux lunes. Et j'ai trois lunes, donc c'est encore... C'est mieux. Avec trois lunes, c'est mieux. On a une lune de plus, alors. On a une lune de plus. Quoi, au mieux qu'on a pris cinq lunes, on a pris six lunes. Et puis on avait pris une lune. Alors, à ce que j'ai compris, les pierres, ce sont des vies. Mais c'est pas grave. Chapeau Mario, on a mis la main sur une multilune. La main sur une. C'est ce petit bijou où l'énergie de droit lune de puissance. On devrait réussir à faire démarrer notre rafiote avec ça. Lance-moi sur le golem. Alors, en fait, pour faire ça, là, ce saut-là, c'est Zadeï est direct B, en fait. Comme ça. C'est trop bien. J'adore faire ce saut parce qu'en fait ça fait plus vite quoi. Donc au mieux qu'on a ramené 6 lunes, on a ramené 6 lunes. Voilà, 5 lunes de plus.
c'est parti. On peut aller au pays des sables. Allons vite secourir nos demoiselles. Prêt à partir, capitaine, sélectionnez pays des sables. Appuyez sur A et jouons. On met les voiles. Donc, on a fait le pays des chapeaux. C'était le premier pays. Le pays des chutes. Là, on est en fait au pays des chutes. Et maintenant, on part au pays des sables. Donc, c'est parti. On a 6 lunes. Non, dès que tu arrives là-bas, tu vas dire c'est la partie des deux. On a l'air bien la musique. Chapeau volant, super, super machine, qui vole en plus. Donc là, Tapi, il n'est plus le vrai chapeau de Mario, et il est un chapeau de capitaine. Alors qu'est-ce que tu penses de ce képi de capitaine? Pas mal, non? Revenons à nos moutons. Alors, comme ça, cette crapule de monstre s'appelle Bowser. Eh bien, Bowser n'a qu'à bien à se tenir parce qu'avec l'Odyssée, on va le rattraper en mois et de deux. Bon, si on profitait du voyage pour faire un peu de lecture. Tour de voyage, cherche dans le sol. Vous voulez vous débarrasser d'un bloc ou d'un ennemi ou aplatir une bosse dans le sol. Quand vous êtes dans les airs, effectuez une charge au sol avec ZL pour écraser ce qui se trouve sous votre postérieur. C'est bon à savoir, non? Tiens, et si tu jetais un coup d'œil en mode d'emploi pendant que tu es? Commande action de base. On va voir pour l'action de base. Mais pas maintenant, une autre fois, c'est mieux. Tu peux le consulter à tout moment. Tu n'as qu'à ouvrir le menu avec plus et sélectionner mode d'emploi. Maintenant, voyons voir ce qu'on peut apprendre sur le pays des sables. Alors, il paraît que ces pays couverts de sable. Il paraît aussi qu'il y a fait super chaud. Et il semblerait que le coin soit connu pour sa gigantesque baie d'Union. Il parle un peu beaucoup quand même, Tapi. Hein. Il parle beaucoup. C'est un chapeau volant. Je pense qu'il faisait quand dans le désert, moi. Tiens, il y a quelque chose qui brille
au-delà de la tour, c'est peut-être une lune. Je vais y aller changer le chapeau, que ce soit un chapeau normal. Comment on fait pour entrer? Il y avait écrit un A. Je pense quand même que c'est ici qu'il faut changer le chapeau. Ah, voilà. Donc, on va mettre le chapeau normal. Voilà. La belle musique. Ici, on a un miroir. Ah, là, on voit Mario dans le miroir. Il est beau le salon, hein, quand même, avec deux fauteuils, des oreillers, un journal. Il est beau. Il est beau, le salon. Là, c'est le globe. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter.